Alors qu'Arnaud Montebourg se ridiculise au téléphone, en essayant de contacter d'autres candidats à la présidentielle, Anas Kazib lui répond sur le ton de l'ironie. Et, plus sérieusement, il lui demande de lui donner les parrainages qu'il a déjà obtenus. Regardez. Oui, Arnaud Montebourg, c'est Anas Kazib, candidat à la présidentielle en 2022. Bon, j'ai vu vos vidéos. C'était pour vous dire, il faut essayer de garder un peu de dignité quand même dans cette campagne présidentielle. C'est très malaisant, voilà. J'ai cru comprendre que vous étiez prêt à vous retirer dans cette campagne présidentielle. Nous, on a besoin des 500 parrainages parce qu'on a énormément de choses à dire dans cette présidentielle 2022. On a envie de porter la voix de nos luttes, la voix des quartiers populaires, de la jeunesse, de la classe ouvrière. Il y a tellement de choses à faire et nous, on est déterminés à y aller. Et j'ai cru comprendre que vous aviez déjà un certain nombre de parrainages. Donc avant de partir, voilà. Laissez vos parrainages derrière vous, c'est avec grand plaisir. Et puis une dernière chose au passage, mais quand on veut essayer de lutter contre l'extrême droite, il faut généralement éviter de piocher dans le programme de Éric Zemmour et de Marine Le Pen sur l'interdiction au transfert d'argent vis-à-vis des pays africains pour les personnes en OQTH. Voilà, juste un petit peu, ça c'est pas très à gauche. Donc voilà, bon courage pour... les messageries, les répondeurs sur lesquels vous allez tomber. Allez, au revoir.